Hvaljen Jezus sin Marija, drage gledalke in gledalci televizije Exodus. Danes se ponovno srečamo z gospodom Goodarzijem. V prejšnji oddaji smo govorili bolj o zgodovini kristjanov v Siriji. Danes bomo govorili o tem, kako je ta vojna prizadela krščansko skupnost in kaj je njena prihodnost. Alors, monsieur Alexandre Goodarzy, merci beaucoup d'être à nouveau parmi nous. La dernière fois, vous avez vraiment très bien expliqué cette histoire de la Syrie et on en est arrivé justement à cette révolution de printemps contre Bachar al-Assad et nous avons vu que les frères musulmans ont préparé le terreau en Syrie pour pouvoir préparer une guerre et avoir le pouvoir. Comment est-ce que ISIS et Daesh ont commencé à se battre Eh bien, en fait, pour cela, je pense qu'il faut remonter à la guerre en Irak, à l'intervention américaine. Alors, c'est vrai que moi, quand j'évoque toutes ces histoires d'islamisme, je nommais un petit peu le soutien que l'Occident a pu lui apporter. Ça peut ouvrir sur ce sujet-là. Hein. Je ne nie pas qu'il y a une implication de l'Occident, que l'Occident a nourri le djihadisme, l'islamisme, qu'on a soufflé sur les braises, qu'on a fait les apprentis sorciers pour diviser afin de mieux régner. Ça, c'est une réalité géopolitique, on ne peut pas la nier. Mais si je m'en tiens vraiment aux différents acteurs locaux et la façon en fait dont ils ont été des instruments de division, eh bien c'est vrai que si je m'en tiens à ça, en fait, ça donne le discours que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que je nie l'implication de l'Occident, etc. Donc ça, à la limite, on pourrait en reparler. Mais les Américains, en tout cas, parce que pour la Syrie, il n'y a pas eu d'intervention directe d'une puissance étrangère. Enfin, en revanche, ce n'était pas le cas pour l'Irak. L'Irak, vous avez l'intervention américaine de 2003. Donc, c'est une invasion, mais elle arrive après 12, 13 années d'asphyxie économique. Donc, si je remonte en arrière, vous avez la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein arrive, il préside le pays. C'est l'époque où, à côté, en Iran, vous avez une révolution islamique. C'est la même année. Donc, il préside un pays. La révolution islamique à côté menace l'Irak dans l'esprit de Saddam, c'est un pragmatique. La majorité du pays, plus de 50-60% des Irakiens sont chiites. Si la République islamique d'Iran, enfin si l'Iran, l'État impérial d'Iran, avec le Shah d'Iran, bascule de façon théocratique avec un islam chiite révolutionnaire, il est évident que ça va avoir un impact sur les 60% de chiites irakiens dans le pays de l'Irak. Et ça, c'est ce que Saddam veut absolument contenir. Il veut contenir la révolution iranienne et qu'elle ne déborde pas chez lui. Alors, il ne va pas tenir compte de l'histoire. L'histoire nous dit qu'on n'attaque pas un pays qui fait une révolution. C'est la pire des choses à faire, mais c'est ce qu'il va faire. Il va attaquer l'Iran. Il y a eu 8 années de guerre entre l'Iran et l'Irak, soldées pour un échec des deux côtés, et chacun se réclame victorieux des deux côtés. Suite à cela, on donne l'autorisation à Saddam d'attaquer le Koweït. Pour précision, le monde entier était derrière Saddam, à part quelques pays qui officieusement donnaient quand même des armes et un petit peu des armes à l'Iran. Mais politiquement, je veux dire dans le discours médiatique, on était derrière Saddam, on était derrière l'Irak. Et tous les pays arabes, à l'exception de l'Algérie, qui a toujours eu un discours de médiateur entre l'Iran et l'Occident, et la Syrie. La Syrie qui était rivale de l'Irak, parce que vous avez deux parties basses, un baas en Irak, un baas en Syrie, et puis il y a des querelles depuis l'époque des Omeyades et des Abbassides, entre la Syrie et l'Irak, entre ces deux grands piliers du nationalisme arabe, il n'y avait pas forcément entente, et sur le terrain libanais, les Syriens et les Irakiens étaient ennemis. Donc les Syriens aidaient les Iraniens qui étaient l'ennemi des Irakiens, parce que au Liban, dans la guerre civile qui déjà avait commencé en 1975, les Syriens étaient épaulés par les Iraniens contre les Irakiens qui, eux, soutenaient un peu plus les chrétiens, ou on va dire en tout cas l'autorité gouvernementale. Tous les États arabes étaient derrière Saddam parce qu'il fallait contenir l'islam politique, parce qu'il y a toujours eu une guéguerre entre le nationalisme arabe et l'islam politique depuis la fin du califat ottoman. Et là, vous avez une théocratie qui naît. Mais en plus de ça, elle n'est pas sunnite, elle est chiite. Donc tous les pays arabes poussaient derrière Saddam. Donc en gros, Saddam, quand vient l'heure des comptes, il dit « Ok, moi mon pays, il a été ruiné par 8 années de guerre. Tous les États arabes, voilà l'addition. C'est mon peuple qui est mort, c'est mon pays qui a été détruit. L'effort de guerre, c'est nous qui l'avons fourni. Maintenant, vous allez payer. » Le seul pays qui a refusé de payer, c'est le Koweït. Et le Koweït a même dit à Saddam Pourquoi vous, les Irakiens, ne faites pas ce que vous savez faire de mieux? Mettez vos femmes sur le trottoir. Donc, il n'en faut pas plus que ça pour que Saddam Hussein dise « Ok, vous ne voulez pas payer et en plus de ça, vous nous insultez. » Donc, il a attaqué le Koweït, mais avec l'aval des USA. Les États-Unis avaient dit « Vous pouvez attaquer le Koweït. » Une fois que Saddam attaque le Koweït, on a tapé Saddam. Donc, une vraie trahison, vraie hypocrisie de la part des États-Unis. Et c'est la première guerre du Golfe, donc en 91. Suite à cela, on a asphyxié l'État irakien pendant 12 années. Donc c'est d'une violence sans nom, c'est-à-dire qu'au bout de déjà 2 années d'embargo, il y avait déjà 500 000 enfants qui étaient morts de malnutrition, de problèmes en tout genre, de maladies et autres. Les Français, qui à l'époque avaient participé au développement de l'urbanisme irakien avant la guerre Iran-Irak, et qui étaient un grand soutien de l'Irak pendant la guerre Iran-Irak, tous les ingénieurs français se sont mis à donner les plans aux Américains pour qu'ils défoncent, pour qu'ils détruisent les infrastructures qu'ils avaient eux-mêmes participé à développer. Donc, trahison de la France également. Donc, vraiment, on refusait même de donner, d'offrir, d'envoyer des crayons pour les écoles irakiennes. On refusait de leur envoyer des crayons parce que, disait-on à l'époque, les Irakiens pourraient se servir des mines de crayons, de bois pour en faire des explosifs. Enfin, on ne peut pas imaginer à quel point on a trahi les Irakiens et combien on les a meurtris, en fait. C'est horrible ce qu'on leur a fait. À la fin de tout cela, on remet les couverts et on attaque l'Irak pour une deuxième fois, en 2003. Maintenant, il faut comprendre qui est Saddam à l'intérieur de son pays. Saddam, c'était comme Hafez al-Assad, un homme qui faisait marcher son peuple vers la laïcité forcée. Pas d'histoire de religion. En plus, il est sunnite, il y a 40% de sunnites en Irak. Alors ça, c'est un petit peu la configuration qu'on donne actuellement. Est-ce qu'à l'époque, c'était exactement ça? Vous savez, les sunnites disent que les Iraniens, déjà à l'époque, grossissaient la démographie chiite pour inverser le rapport de force. Les chiites disent non, c'est pas vrai, on a toujours été majoritaire. C'est compliqué de savoir la réalité, mais je crois qu'objectivement, les chiites ont toujours été majoritaires en Irak. On parle de 60% de chiites et de 40% de sunnites. Mais les 40% de sunnites ne sont pas homogènes. Il y a 20% de kurdes, donc des non-arabes, qui n'ont pas un passé forcément très friendly avec les arabes, forcément très amical. Il y a des rivalités, des tensions ancestrales entre les kurdes et les arabes. Donc vous avez 20% de kurdes sunnites et vous avez 20% d'arabes sunnites. Saddam, il combattait de toute son énergie contre le clanisme, le patriarcat et l'islamisme. Il luttait contre ça. Le but des États arabes, qui ont tous les dirigeants arabes, que ce soit Saddam ou les Habib Bourguiba en Tunisie, ou les Assad, ou avant Assad, peu importe, tous les chefs d'État arabes, en fait, ils ont été nourris du logiciel français. Et leurs prédécesseurs, donc avant eux, ils étaient dans les salons parisiens, ils étaient en fait à l'école des Lumières, pour ramener tous ces idéaux de État-nation, citoyenneté, laïcité, égalité, fraternité. Toutes ces choses-là, ils l'ont ramené directement de la France. La France les a formés pour ça. Donc Saddam, il applique un modèle qui est celui des Européens. Alors c'est vrai que l'Irak était plus tourné vers les Britanniques, mais en tout cas ce logiciel révolutionnaire, puisqu'il s'agit d'une révolution culturelle à l'intérieur d'un monde qui est basé sur le tribalisme, l'islam et le patriarcat. Il faut du temps pour changer les gens. Donc, au bout d'un certain nombre de décennies, comme c'est le cas à Damas, vous avez une bourgeoisie sunnite largement laïcisée. Vous avez une bourgeoisie damascène laïcisée. Vous avez la même chose en Irak. Mais quand vous mettez la guerre, quand vous faites la guerre, quand vous imposez une guerre à ces pays-là, et que vous les mettez sous embargo économique, où vont ces gens érudits qui ont capté les idéaux européens? Où est-ce qu'ils vont, tous ceux qui sont empreints de liberté, de démocratie? Ben, ils s'enfuient, ils quittent le pays. C'est les premiers à quitter le pays. Donc tout ce que Saddam avait fait comme travail pour laïciser le pays, pour l'éduquer, pour le moderniser, même si c'était un tyran, il n'y a pas de problème, hein. On est d'accord sur le fait de dire que c'était un tyran, mais tout le travail qu'il a fait pendant des décennies, il est réduit à néant. Donc, qu'est-ce qui reste en face de Saddam? il reste la rue arabe, il reste ceux dont les idéaux n'avaient pas réussi à donner du fruit, il reste ceux qui n'ont pas été touchés par toute cette propagande de laïcisation, il reste les petites gens des campagnes, du Rif, des banlieues, des périphéries, de l'arrière-pays. Donc il reste des gens avec une mentalité islamique, patriarcale et clanique. C'est pourquoi Saddam, dans cette période d'asphyxie économique, puisque toutes les élites étaient parties, donc il a dû changer son discours. Alors il a fait réinscrire Allahu Akbar sur son drapeau, qui veut dire Dieu est le plus grand. Il a dessiné une fresque où on le voit, où on voit Saladin, et on le voit en fait le descendant de Saladin. Donc on voit le début de la fresque, c'est Saladin sur son cheval avec son sabre, et à la fin de la fresque, c'est Saddam sur son tank. Donc vous avez une fresque historique comme ça, où on voit Saddam Hussein descendant direct de Saladin. Saladin qui est la fierté du monde musulman sunnite, le califat, l'unité du monde arabe, l'unité du monde arabo-musulman. Donc en fait, il se revendique d'une lignée islamique qu'il a lui-même combattue. Et on sait que c'était un franc-maçon au 30e degré, qu'il était méprisant de l'islam à un tel niveau, mais il est obligé d'avoir un discours qui ne va pas le mettre en danger vis-à-vis de la rue arabe. Et il est obligé de reprendre à zéro. Donc il est obligé de parler le langage des Arabes, qui est un langage musulman en fait. Vous voyez? Et suite à cela, vous avez les Américains qui reviennent refaire la guerre en 2003. Ils attrapent Saddam et ils le pendent en 2006. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce que ISIS soit créé et Al-Qaïda? Donc, tout ce que j'expliquais juste avant, en fait, c'est le contexte en fait, dans lequel arrivent les Américains. Et très rapidement, il y a une insurrection en fait, irakienne qui se met en place. Bah, tout simplement, quand on attaque son pays, il y a des gens qui se défendent. Et il y a le successeur d'Oussama Ben Laden, Moussa al-Zarqawi, qui, lui, va instrumentaliser une partie de cette insurrection et gonfler les rangs du djihad. Donc les Américains ne peuvent pas dissocier ce qui est une insurrection nationale et ce qui est une insurrection djihadiste. Et comme tout djihadisme, la vocation, elle est internationale, et vous n'avez pas que des Irakiens qui combattent contre les Américains. Alors c'est pas non plus l'Afghanistan ou la Syrie, il n'y a pas des gens qui viennent aussi nombreux de partout, mais en fait, de l'insurrection irakienne, qui est une insurrection nationale, vous avez un glissement vers un combat qui est islamiste. C'est là que naît Al-Qaïda, ou en tout cas que Al-Qaïda commence à se greffer sur le conflit irakien. Et c'est la même chose, hein, les talibans en Afghanistan, c'était des Afghans, Al-Qaïda est venu, a greffé un mouvement qui était national, et on a fait une plateforme djihadiste internationale. L'Irak, c'était pareil. Qu'on soit un combattant pour l'Irak, comme nationaliste irakien ou comme amoureux du pays de l'Irak, bref, un citoyen irakien, ou pour l'islam, vous avez eu, vous avez ces deux légitimités irakiennes, mais le combat islamique ouvre les portes à des combattants étrangers. Et c'est ça qui s'est passé. Très rapidement, la politique de Paul Bremer qui était un administrateur américain, en fait, c'était l'américain qui était en charge des affaires irakiennes dans cette période de chaos, et il était là-bas de 2003 à 2006. Et cet homme a fait des choix qui étaient assez peu judicieux. C'était pas un homme de terrain, c'était pas un militaire, c'était pas un agent de la CIA reconverti. Non, c'était un diplomate, un politicien, et qui a pensé et qui a cru bon de mettre un gouvernement d'intérim avec, comment dire, avec des Irakiens qui représentent les différentes minorités, des hommes, des femmes, un représentant pour la communauté yézidi, pour les Kurdes, pour les sunnites, les chiites, les chrétiens. Mais ce qui n'est pas compréhensible, en fait, pour la mentalité locale. Donc, en fait, ça a été une catastrophe. Ajoutez à cela que très rapidement, ensuite, on a commencé, les Américains ont favorisé les chiites au pouvoir, puisque c'était la majorité, et qui résonne en termes démocratiques. Ils ont donné la majorité au pouvoir chiite, à la majorité chiite. Les chiites n'ont jamais eu le pouvoir en 1400 ans. C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont eu le pouvoir, c'était la famille des Abbassides, mais ça n'a jamais été les chiites en tant que tels. Alors donner le pouvoir à des gens qui ont toujours été écartés du pouvoir politique, qui n'ont jamais su diriger les affaires politiques et qui ont une revanche à prendre en fait. Et qui sont toujours dans une lecture eschatologique du monde et le regret de Hussein à Karbala. Donc, parce que, en fait, je comprends que pour nous autres Européens, avec notre regard séculier, très laïque, on ne comprenne pas ces choses-là. Et que la plupart du temps, les gens disent « Ouais, il y en a marre, vous voyez tout qu'à travers le prisme de la religion, etc. » Mais ce n'est pas nous qui voyons les choses à travers le prisme de la religion. Ce sont les gens là-bas qui vivent, qui sont imbibés de leur culture religieuse, qui voient les choses avec leur religion. Donc les chiites, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont été assez, plus que discriminants envers les sunnites. Il y a eu des purges, il y a eu des condamnations, des assassinats qui ont été commis. Les Américains avaient favorisé l'arrivée des pouvoirs aux chiites, qui ont retiré tous les sunnites de l'enseignement scolaire, de l'éducation nationale, de l'armée, de la police, de tous les services sécuritaires. C'est-à-dire que tous les policiers, tous les hommes de l'armée, qui étaient des sunnites pour la plupart de l'époque de Saddam, sont rentrés chez eux, en fait, avec leurs fusils, avec leurs armes de service. Ça y est, t'es au chômage. L'éducation qui était tenue par ces gens-là, terminée, ils n'ont plus de boulot. Et ce sont des gens qui n'ont jamais eu accès, parce que c'est vrai que les chiites ont été écartés du pouvoir, été écartés de l'éducation, ce sont des laissés pour compte, ce sont des gens qui étaient en marge de la société. Et c'est à eux que vous confiez l'éducation, c'est à eux que vous confiez les armes et la sécurité du pays. C'est devenu confessionnel à partir de ce moment-là. Et Al-Qaïda, dès ce moment-là, dès que les sunnites ont vu que non seulement l'intervention américaine était une injustice qu'il fallait corriger, mais qu'en plus de ça, ils donnaient le pouvoir aux chiites, qui avaient l'Iran derrière eux, qui prenaient la revanche sur le monde sunnite. Mais en fait, Al-Qaïda s'est radicalisé. Al-Qaïda était déjà radical, mais ils se sont radicalisés. Ils ont fusionné avec 5 ou 6 autres groupes islamistes et ils ont appelé ça le Conseil consultatif des Moudjahidines de l'Irak. Le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Et cette espèce de conglomérat dont Al-Qaïda faisait partie avec 5 autres groupes djihadistes qui ont créé ce qui allait s'appeler l'État islamique en Irak. Et quand ils ont commencé à déborder dans leur guerre, parce que les sunnites, leur région, leur fief, elle touche la Syrie de l'Est. C'est-à-dire que l'Irak de l'Ouest et la Syrie de l'Est, c'est un grand ensemble sunnite et désertique. Donc ils ont commencé très rapidement à déborder sur la Syrie, dès 2012. Dès 2012. Mais en Irak, ce n'est qu'en 2014 qu'ils vont officiellement décréter que tous les territoires qui sont sous l'autorité de l'État islamique en Irak, mais maintenant État islamique en Irak et au Levant, parce que la Syrie, c'est ça, le Levant. Donc de EI, État islamique, ils sont devenus EIIL, État islamique en Irak et au Levant. En 2014, ils ont décrété que tous ces territoires qui étaient sous l'autorité de l'EIIL devenaient califats de l'État islamique. C'est pour ça qu'on dit que l'État islamique, officiellement, c'est 2014. Mais dès 2006, ils existaient. Ils existaient en Irak, État islamique en Irak, EII, ils existaient depuis 2006. Ils sont arrivés en Syrie en 2012, EIIL, et ils ont été officiellement auto-proclamés califat en 2014. Et en réaction à cela, l'Ayatollah al-Sistani, qui est à Najaf, il a un peu fait comme le pape Urbain II. Le pape Urbain II, au moment des croisades, première croisade de 1095 à 1099, quand il y avait des guerres européennes où les Européens se dévoraient entre eux, les Anglais, les Français, les Germains, tout ce que vous voulez, les Italiens, de dire, mais il y a une cause, elle est noble, elle est juste, Jérusalem est en danger, les chrétiens sont persécutés, ils se font massacrer, l'infidèle mohammedan a pris place, si vous voulez vous défouler, plutôt que de vous tuer entre chrétiens et entre royaumes, allez vous défouler là-bas. Allez là-bas, la cause est juste, allez dépenser votre énergie en Orient, allez reprendre Jérusalem. Les chiites ont fait un peu la même chose. Les sunnites étaient très agressifs, un califat était en gestation. Al-Sistani a mobilisé toutes les chiites et les brigades chiites qui s'étaient créées au fil du temps, depuis la guerre Iran-Irak, depuis la fin de la guerre Iran-Irak, depuis le Koweït, depuis l'asphyxie économique des Américains, la deuxième invasion américaine en 2003. Plein de milices chiites s'étaient créées avec différents objectifs. Al-Sistani, ce grand ayatollah iranien, mais qui œuvre pour l'Irak, non pas pour que l'Irak soit rattaché à l'Iran, mais pour que l'Irak soit indépendant. Il a rassemblé toutes ces milices chiites pour combattre Daesh. Mais les Iraniens sont arrivés derrière et ils ont instrumentalisé ce que Al-Sistani avait fait. Donc l'unité des chiites, mais pour les mettre sous la houlette de la République islamique d'Iran. Donc comment a été la Syrie au moment où vous êtes venu et qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Alors moi quand je suis arrivé, le gouvernement syrien, l'armée syrienne venait fraîchement de reprendre le contrôle de territoires qui avaient été littéralement occupés, détruits, meurtris par le front Jabhat al-Nusra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui était essentiellement concentrée sur ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie de l'Ouest. Donc quand je suis arrivé, c'était après le printemps 2014, je suis arrivé en été 2015, donc ça faisait un an, un peu plus d'un an, que ces territoires avaient été libérés d'Al-Qaïda, Al-Qaïda en Syrie. Mais une menace en fait arrivait à l'Est, avant que j'arrive, à peine donc Al-Qaïda, je veux dire les territoires syriens étaient libérés d'Al-Qaïda à l'Ouest, que depuis l'Est, c'est l'État islamique qui fondait, qui arrivait mais très rapidement sur l'Ouest syrien, puisque l'Est syrien, l'Est de la Syrie qui touche l'Irak, est désertique majoritairement, donc l'avancée de Daesh en Syrie a été très rapide. Et il menaçait déjà, rapidement donc, ce qui venait à peine d'être libéré de Al-Qaïda. Voilà, c'est dans ce contexte que je suis arrivé, et ce qui m'a frappé, c'est toutes les destructions. En fait, c'est des villes et des régions en fait que j'avais connues et qui étaient complètement défigurées par la guerre. Et évidemment, les témoignages, surtout des chrétiens que j'ai côtoyés, qui étaient terribles et durs en fait à entendre. Alors, comment se passait l'organisation justement des communautés chrétiennes en temps de guerre, quand le pays était complètement déchiré? D'un côté, il y avait Al-Qaïda, l'autre côté, enfin le régime syrien. Et de l'autre côté, ISIS. Ben les chrétiens, en tout cas les chrétiens de Syrie, ont eu plusieurs sentiments. Un sentiment de tristesse, un sentiment de peur, un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison. La peur et la tristesse, évidemment, à cause de la guerre, à cause de toutes les horreurs qu'ils ont vécues. Un sentiment d'abandon, de trahison d'abord, parce que ce sont bien des musulmans de leur propre pays, de leur propre village, de leur propre ville, de leur propre entourage qui les a livrés à une mort certaine, à un exil, au fait de vivre justement dans cette peur de devoir tout perdre, de ne pas savoir de quoi l'avenir sera fait pour leurs enfants. Ça a été une vraie trahison. Alors bien sûr, je précise, tous les musulmans n'ont pas été des traîtres, mais beaucoup en fait ont trahi, beaucoup ont, comme je le disais tout à l'heure, ont ouvert les portes aux djihadistes internationaux et se sont retrouvés contraints de mettre en place une politique qui était complètement à un sens contraire en fait de cette unité nationale que tous essayaient ensemble de créer. Donc ils se sont retrouvés contraints de livrer ceux qui ne pensaient pas comme eux aux djihadistes étrangers. Et moi, je connais particulièrement des gens de différents villages et de différentes villes qui nous disent mais ce sont nos voisins qui ont dessiné le Noun sur notre porte. Ça, c'est en Irak. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez vécu cette période de guerre au début avec les chrétiens? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils vous ont accueillis? En fait, les chrétiens en Syrie, les Syriens de manière générale sont des gens très accueillants, hein. Ils ont été vraiment adorables avec moi. Je suis français, j'appartiens à un pays dont le gouvernement a décidé de punir la Syrie et tout le peuple syrien. Et jamais on ne m'en a fait remarque, jamais on ne m'a fait montrer agressivité, hostilité. On ne m'a jamais fait du tort ou du mal ou récriminé pour le fait d'appartenir à la France. Bien sûr, il y a des suspicions, vous êtes humanitaire, vous êtes en Syrie, en guerre. Il y a des djihadistes qui viennent de France. Vous appartenez à un pays dont la bien-pensance a décidé donc de sacrifier la Syrie sur l'autel de la démocratie. Forcément, en fait, il y a plein de choses qui laisseraient penser que vous êtes un ennemi, vous êtes un espion. Alors, le côté paranoïaque un petit peu de ces États, notamment l'État syrien, je sais que ça, c'est comme ça, c'est dans leur logiciel. Un humanitaire, c'est jamais vraiment un humanitaire, c'est certainement un espion, et c'est peut-être même un espion malgré lui. Comme en plus de ça, on accueille des volontaires et qu'on travaille sur place, ils sont assez théorie du complot, très très poussée là-bas. Mais on m'a toujours respecté, on m'a toujours montré beaucoup d'affection. Ce sont des gens très attachants. Et concernant les chrétiens, de par l'histoire qui nous lie, depuis la promesse de Saint-Louis, hein, rédigée dans la charte déjà en 1270, réitérée par François 1er au XVIe siècle, même après la Révolution française, quand cette révolution, quand cette promesse n'avait plus lieu d'être et qu'on avait changé de régime, malgré, à l'époque de Napoléon III, qui est venu au secours des chrétiens et qui a protégé les chrétiens après les massacres du Chouf en 1860, et que de là est née la grande province autonome du Liban, ben, en fait, il y a un lien fort entre les chrétiens d'Orient et les Français. Il a été oublié par les Français, mais il n'a pas été oublié par les orientaux chrétiens. Il n'a pas été oublié non plus par les musulmans qui nous considèrent comme des croisés, qui nous considèrent comme des gens qui instrumentalisons le christianisme pour diviser ces chrétiens d'Orient et les arracher à cet ensemble auquel ils appartiennent, c'est-à-dire un ensemble arabe. Mais c'est vrai que, indépendamment de tout ça, les chrétiens, les Syriens nous aiment. Les chrétiens nous aiment particulièrement. On parle de la France en parlant de sa mère, la France. Ils parlent de leur mère, la France. Et ils ne comprennent pas, en fait. Ils vivent un vrai sentiment de trahison. Mais ce n'est pas un sentiment de trahison qui laisse place à la colère et à la haine de la France. Ils ont du chagrin. Ils disent, mais pourquoi on nous fait ça? Pourquoi la France a décidé de qualifier de démocrates, de rebelles, démocrates, de combattants pour la liberté, des gens qui nous égorgent, des gens qui nous poussent à abandonner notre maison? Les Syriens, ils étaient 22 millions d'habitants. Sur 22 millions d'habitants, il y a 15 millions de personnes qui ont quitté leur maison. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a eu 5-6 millions de personnes qui ont quitté le pays, mais il y a eu 15 millions de personnes qui ont dû bouger à l'intérieur du pays. C'est énorme. Ce sont des gens qui ont beaucoup immigré, hein. Les chrétiens étaient à peu près 2 millions, ils représentent 10% de la population syrienne. Sur 22 millions d'habitants, donc ils étaient un peu plus de 2 millions. Et aujourd'hui, on dit qu'ils ne seraient pas plus de 700 000. On est en pleine guerre, la guerre n'est pas terminée en fait, elle a marqué un temps d'arrêt, elle a laissé place depuis 2019 à une asphyxie économique de grande ampleur. Donc c'est la deuxième étape de cette guerre sans merci qui est livrée contre le peuple syrien. Et les chiffres, pour avoir des chiffres clairs, c'est compliqué. C'est des recensements précis, professionnels. On n'est pas dans cette situation. Et de toute façon, pour un État qui se dit laïque, des recensements sur fonds confessionnels, c'est interdit en fait. Donc c'est compliqué d'avoir un chiffre très précis. Mais voilà, la population chrétienne a été divisée par 3. En gros, c'est ça qu'on retient. Donc tous ont vécu des horreurs. Je ne dis pas que les chrétiens sont les seuls à avoir vécu la guerre, mais en l'occurrence, les chrétiens, plus que n'importe qui, sont les descendants directs du peuple que la Syrie abrite depuis les temps anciens, depuis l'époque du paganisme. Ce sont les réels, directs descendants des peuples levantins avant que judaïsme, christianisme et islam n'apparaissent. S'il y a bien quelqu'un qui est chez lui, c'est le chrétien. Et le chrétien a participé activement à la création de l'État-nation, à la création de la nation syrienne, la nation moderne. Ils sont ceux qui avaient un grand intérêt à mettre au lendemain de la chute de l'Empire ottoman sur un même pied d'égalité les musulmans et les chrétiens. Donc les chrétiens ont été tout de suite ceux qui ont capté les idéaux de l'Occident, déchristianisés certes, mais en relation avec l'Occident depuis toujours. Ce sont eux qui ont capté ces idéologies politiques et qui ont créé la Syrie moderne. Et ce sont eux qui sont les premiers dépositaires et ce sont eux qui sont les premiers à souffrir de la chute de l'État syrien. Donc ils n'ont aucun intérêt à voir la Syrie se casser la figure. Ils n'en ont aucun intérêt. Et ce sont ceux qui s'exilent le plus parce qu'ils ne comprennent plus leurs frères musulmans. Il suffit qu'un cheikh débarquent de Libye ou du Qatar ou de l'Arabie Saoudite et qu'ils commencent à avoir un discours islamiste fanatique qui appelle à tuer les chrétiens, et vous avez la moitié des musulmans qui adhèrent. vous avez la moitié des musulmans qui acceptent. Pourquoi? Les chrétiens en ont marre de se dire à quelle sauce je vais manger demain. Jamais un village chrétien se réveille le matin en disant « Allons massacrer les musulmans d'à côté », ça n'existe pas. Donc en fait, les chrétiens en ont marre de subir le martyre et ils quittent le pays. C'est la situation aujourd'hui que les gens vivent. C'est triste vraiment, et je prends vraiment en considération toutes les communautés syriennes. Plein de musulmans souffrent de ça. Des sunnites, des chiites, des alaouites, des ismaéliens et aussi les druzes. C'est pas que les chrétiens, mais les chrétiens plus, parce que c'est toujours des guerres qui existent entre les musulmans. Les chiites, les sunnites, les alaouites, les sunnites, les ismaéliens. Le chrétien, en fait, il est au milieu de tout ça et il dit, il y en a marre, on s'en va, Alors, comment est-ce que votre mission, elle a pris forme? Qu'est-ce que à quoi vous étiez vraiment missionné? Alors, moi, j'étais là pour aider. Le but de SOS Chrétien d'Orient, hein, c'est aider les chrétiens à ne pas disparaître. Aider les chrétiens à se maintenir sur la terre de leur père. Aider les chrétiens à constituer un maillon important de l'unité nationale. Parce que les chrétiens n'ont jamais été dans une logique de défection. Les chrétiens n'ont jamais essayé de créer leur État chrétien à eux. Ils ont toujours accepté ou le califat ou la dictature arabe. C'est un soft power culturel. C'est un soft power spirituel. C'est un pouvoir qui mise, c'est une communauté qui mise sur l'éducation. Par exemple, la première chose que moi j'ai eu à faire, c'est de reconstruire des églises. Des églises qui avaient été dynamitées par les islamistes, qui avaient été détruites ou qui avaient été utilisées pour leurs quartiers généraux. Quand vous reconstruisez une église, vous me direz, mais avec tout cet argent, vous pourriez reconstruire plein de maisons. Alors, il y a une pédagogie, il y a une logique derrière tout ça. Vous avez des villages où les chrétiens ont déserté totalement. Ils sont partis à Damas se réfugier dans les villes pour être sécurisés par le gouvernement. Mais après Damas, ils regardent vers Beyrouth, ils regardent vers le Liban et vers l'immigration. Donc, si on veut les refixer dans leur village d'origine et pas trop prendre goût à la ville et à dire « Ok, j'ai pris goût à la capitale, j'ai plus envie de retourner dans mon village », il faut reconstruire une église. Parce que s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre. S'il n'y a pas de prêtre, les chrétiens ne reviennent pas. Le chrétien revient s'il y a un prêtre parce qu'il a confiance en son prêtre, c'est un berger, et le prêtre assure un relais entre l'État et la communauté chrétienne. Il est un agent de liaison verticale entre l'autorité gouvernementale, il est le garant de sa communauté. Donc c'est lui qui en réfère directement au gouvernement syrien. Et il y a aussi une religion horizontale. Si les chrétiens discutent en bonne intelligence avec des cheikhs de l'église chiite ou sunnite de l'islam, c'est parce que le prêtre est l'ambassadeur auprès des autres religions. Donc il y a un rapport vertical et horizontal. Donc on retrouve aussi la définition de la croix. Et le chrétien de lui-même ne va pas retourner vivre dans un quartier abandonné, bombardé, au milieu des ruines, s'il n'y a pas son prêtre, parce qu'il a peur des autres musulmans. Ce sont des musulmans qui les ont livrés à Al-Qaïda, qui les ont livrés à Daesh. Donc on a confiance et on ne revient que si on a la garantie qu'on a un prêtre, parce que le prêtre va parler d'égal à égal avec le cheikh, avec l'imam. Et le cheikh a un contrôle sur sa population, l'imam a un contrôle sur sa population. Donc, on est dans une relation de confiance quand on a des représentants de notre religion qui sont en place. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on a dû d'abord reconstruire des églises et ensuite, on a reconstruit des maisons. Voilà un petit peu la situation dans laquelle ça s'est fait. Maintenant, ça, c'est sur le plan, je veux dire, juste habitat, église. Et pourquoi tout à l'heure, je parlais de l'éducation? Quand on reconstruit même une école, ou quand on aide des bonnes sœurs ou des prêtres qui ont la garantie dans des établissements privés de l'enseignement, l'éducation des petites maternelles ou des collégiens ou des primaires. Une école catholique, une école, pardon, qui est tenue, c'est une école du gouvernement, mais qui est privée, mais qui est tenue par des religieux chrétiens. Les chrétiens, ils n'enseignent pas la Bible aux enfants. Si vous avez des musulmans, et la porte est ouverte, beaucoup de musulmans qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans des écoles coraniques, les mettent dans des écoles catholiques. Pourquoi ? Parce que l'enseignement y est de qualité, bien meilleur que l'enseignement public, et ils ne vont pas leur enseigner la Bible, on ne va pas en faire des chrétiens, on n'essaye pas de les convertir, mais on va leur enseigner l'histoire, géographie, les mathématiques, bref, les matières de l'éducation nationale. On va leur enseigner ces matières-là, mais avec les valeurs chrétiennes. Et les musulmans préfèrent que leurs enfants aient une éducation avec des valeurs chrétiennes plutôt qu'avec les valeurs du gouvernement où, en fait, l'éducation n'est pas terrible, ou alors encore pire, une école coranique où on va rien leur apprendre d'autre que le Coran, le Coran, le Coran. Donc, un musulman, il dit « Moi, j'ai pas envie que mon enfant soit un ignare, j'ai pas envie qu'il ne sache rien d'autre que le Coran et que demain, s'il y a un djihad, il soit le premier à partir pour combattre. » Donc, en fait, l'église, enfin, les catholiques, les religieux qui tiennent l'enseignement, ce sont des gens qui désamorcent des bombes. Ils désamorcent des futurs candidats à l'État islamique parce qu'ils en font des gens bien. Ils les laissent musulmans. Ils n'essayent pas, si ces musulmans veulent se convertir après, ça c'est une autre histoire. On ouvre un autre chapitre avec d'autres problèmes. Mais c'est pas, l'intention n'est pas de les convertir, et les musulmans qui mettent leurs enfants, ils le savent. Ils ont confiance en ces établissements-là et ils n'essayent pas d'islamiser ces établissements-là. Ils ont confiance en l'enseignement qui est donné par les chrétiens parce qu'ils veulent que ce soit la meilleure version possible de musulmans, que leurs enfants soient des bons musulmans. Et c'est pas dans des écoles coraniques que ça va être. Pareil pour les hôpitaux privés. On demande pas à des gens un certificat de baptême pour aller dans un hôpital. On soigne tout le monde. On soigne tout le monde et la qualité chirurgicale, les opérations médicales qui sont en cours, elles sont, voilà, de qualité. Donc, en fait, le but, c'est d'aider les chrétiens à constituer un levain dans la pâte. On n'est pas dans une logique communautariste. On n'essaye pas d'aider les chrétiens pour les chrétiens. On essaye d'aider toute la nation syrienne à travers les chrétiens. Alors, ça fait peut-être prétentieux de dire ça. C'est peut-être condescendant de dire on est là pour aider tout le monde parce qu'on aide les musulmans à travers les chrétiens. Mais ça reste un fait sociétal. Dans les pays, moi j'ai vu beaucoup de pays, notamment à travers mon travail. J'ai été au Pakistan, j'ai été en Éthiopie, et quand je vous dis que j'y ai été, c'est pas une fois. L'Éthiopie, j'ai été 6 ou 7 fois. Le Pakistan, j'ai été 2 ou 3 fois. La Syrie, j'y ai vécu 5 ans. L'Iran, enfin bon, bref, je sais comment les églises catholiques, ce sont les catholiques surtout, les missionnaires qui sont en charge de cela. Si vous allez en Éthiopie, par exemple, l'église locale, comment dire, l'église éthiopienne. Et les musulmans ne s'occupent pas. Ils ne s'occupent pas des lépreux, des orphelins, des sans-abri. Ça ne les regarde pas. Ils sont pas là pour faire du social. Ils sont là pour enseigner les Écritures, transmettre la tradition, et c'est tout. Les catholiques, ce sont ceux qui se versent dans les œuvres sociales, ceux qui s'intéressent et qui se disent « Mais mon Dieu, il y a des âmes qui ont soif d'amour, qui ont soif de tendresse, qui ont soif d'attention. On peut pas laisser des gens dans la misère. On peut pas les laisser mourir de solitude. » Ce sont ces gens-là qui viennent en aide à ces déshérités, à ces orphelins, à ces lépreux, à ces gens qui sont malades. Donc les chrétiens, en fait, c'est eux, en Syrie, qui font ce travail-là. Alors, je dis pas que les musulmans ne le font pas, parce que la Syrie, c'est vraiment un pays exceptionnel. Je dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Mais je dis qu'en fait, ils le font dans une logique vraiment qui transcende leur communauté. Je suis désolé, mais vous voyez pas vraiment l'inverse. Vous avez des pays où les musulmans ne s'occupent pas des autres. Vous avez des pays où les musulmans s'occupent que des musulmans. Ou alors des pays où les musulmans s'occupent des autres, mais ils leur donnent un Coran. Ils les incitent à la conversion. Mais les sœurs Emmanuel, les mères Thérésa, qui sont parties vivre et mourir au milieu des hindous, au milieu des musulmans, au milieu des païens, au milieu des athées, au milieu des persécuteurs des chrétiens. Mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont transmis l'amour du Christ, mais sans que la conversion au christianisme devienne une condition sine qua non. C'est ça la réalité. C'est ça le christianisme. Et donc nous, on a respecté cette logique-là. On a aidé les chrétiens parce qu'on sait que c'est une force vitale qui aide tous les autres Syriens, pas que les chrétiens. Le monde entier a vu combien les chrétiens ont toujours aidé autres que les chrétiens. Et il y a même un moment donné où la question se pose, mais est-ce que les chrétiens, à un moment donné, aident les chrétiens? Est-ce qu'à un moment donné, on peut aider les chrétiens sans tout le temps donner de l'argent et des vies humaines pour aller tout le temps aider les autres que les chrétiens? Ben nous, on a décidé, on n'est pas une œuvre religieuse, on est une œuvre laïque, on a dit, la charité ordonnée, c'est de commencer à prendre en considération les nôtres. aidons les chrétiens. Mais on a compris aussi qu'il était bon de les aider parce qu'en aidant les chrétiens, on aide toute la Syrie. Dans l'éducation, dans le médical, dans l'alimentaire, dans l'hygiénique, dans le vestimentaire, on a fait tout ce qu'on a pu pour aider tout le monde. Et je vais terminer avec, pour le travail qu'on fait auprès des chrétiens, je vais terminer avec ce point. Si vous radiographiez, vous cartographiez, vous faites comme une espèce de radio, un scan de la société syrienne. Vous verrez que tous les villages sont d'abord chrétiens. Il y a toujours au centre du village, la vieille ville ou le vieux village, vous avez toujours une église et une école. Parce que c'est de là que c'est parti. Les mosquées sont arrivées après, donc elles sont aussi à l'intérieur du village, mais plus en périphérie, etc. Vous n'avez pas de village qui soit sunnite chiite ou sunnite alawite ou chiite druze ou chiite et ismaélien. Je vous le dis, ça n'existe pas. Quand vous avez des chiites et des sunnites dans un village, vous pouvez être sûr que vous avez les chrétiens qui existent là aussi et dont la présence se situe exactement au milieu. Vous avez les chiites, vous avez les sunnites et au milieu vous avez les chrétiens. Mais vous n'avez pas les chiites et les sunnites, ça n'existe pas. Toute la Syrie, c'est des villages mixtes. C'est chrétiens sunnites, chrétiens sunnites, chrétiens chiites, chrétiens alaouites, chrétiens ismaéliens, chrétiens druzes, et parfois ismaéliens et alaouites avec les chrétiens au milieu. C'est sunnites et alaouites avec les chrétiens au milieu. Vous comprenez? Ça veut dire que celui qui est un ambassadeur de paix entre les sunnites et les chiites qui ne peuvent pas vivre ensemble, c'est le chrétien. Le chrétien, le chrétien, le chrétien en permanence est un arbitre. C'est un ambassadeur de paix et il est celui qui permet la cohabitation dont se vantent les musulmans en permanence quand ils parlent de l'Orient. On est comme ça, on vit ensemble. Mais c'est pas grâce à l'islam, c'est grâce aux chrétiens. C'est parce que les chrétiens sont là au milieu que les musulmans arrivent à vivre entre eux. Parce que s'il n'y a pas les chrétiens, c'est le retour à une conflictualité pluriséculaire qui déchire les musulmans entre eux, entre les chiites et les sunnites, depuis la mort du prophète Mohammed. Et c'est ça la vérité. Et je sais que les musulmans n'aiment pas l'entendre. Ils vous disent « Non, mais c'est n'importe quoi, ils prêchent pour sa paroisse. » Mais je vous invite à venir en Syrie. Je vous invite à venir là-bas. Je vous invite à venir sur place. Et évidemment que les musulmans, même sur place, ne le reconnaissent pas forcément. Mais il y en a beaucoup qui le reconnaissent. J'ai eu l'occasion une fois même de rencontrer Bachar al-Assad lors d'une délégation politique. Et il disait « Les chrétiens sont chez eux. Les chrétiens ne doivent pas partir. C'est leur pays. Ils étaient là avant nous. Si les chrétiens partent, alors il n'y aura jamais de modération dans l'islam, il n'y en aura plus, parce que l'islam n'a de modération que par la présence et l'influence du christianisme. S'il n'y a pas de christianisme, alors c'est le retour au 7e siècle pour l'islam et pour les musulmans. Nous avons besoin des chrétiens. Et les chrétiens en face disent, on a besoin de nous parce qu'on est des passerelles entre les peuples. Mais certains chrétiens comme nous en ont marre d'être piétinés, parce qu'un pont, ça permet la jonction entre deux communautés. Mais tel un pont, on a besoin parfois d'être écrasé, d'être piétiné, d'être assassiné pour que cette jonction et cette cohabitation se fassent. Et il y a des chrétiens qui n'assument plus leur vocation de martyr. Des chrétiens qui disent « nous assumons d'être ceux grâce à qui l'entente se fait » et d'autres chrétiens qui disent « j'en ai marre, je ne veux pas mourir à cause de ces gens-là. Je quitte mon pays parce que je refuse d'être un pont sur lequel on va marcher, écraser, piétiner, mourir. Pourquoi? Pour qui? Pour ces gens-là ? » qui de toute façon ne reconnaissent pas le bien qu'on leur fait. Vous voyez la complexité de toute cette affaire? C'est pour ça que ça les rend si attachants, que l'enjeu il est grand et que c'est aussi très triste. C'est très triste. Donc les chrétiens ont besoin de nous vraiment, parce qu'ils sont la lumière du monde, parce qu'ils sont ceux qui éclairent les ténèbres. Nous en Europe, on a d'autres combats. L'éthique, la biologique, les mouvements païens, LGBT, le mariage pour tous, voilà. Ça c'est nos combats. Eux, ils ont des combats qui les renvoient à d'autres réalités. Et on n'allume pas une bougie en plein jour, on l'allume dans l'obscurité. Leur obscurité à eux, c'est le fanatisme islamique qui existe, qui le menace en permanence. Et donc, il faut vraiment prier pour nos frères chrétiens, vraiment. Alors, quels sont les fruits des prières des chrétiens depuis la guerre? Nous sommes encore en guerre actuellement. Quels sont les fruits? Donc, effectivement, après... Toutes nos prières, en fait, moi, ce que j'ai pu voir sur place, ce qui m'avait vraiment touché, déjà, il faut comprendre que les chrétiens ne sont pas Je parle du clergé, Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le moment de la guerre, le gouvernement en place a donné beaucoup de poids en fait aux membres de l'Église, aux évêques, pour leur donner une dimension d'ambassadrice en fait, pour casser un petit peu la propagande occidentale qui visait à dire que Assad était un tyran. Donc on a mis un petit peu en avant ces évêques, on leur donnait un pouvoir qui dépassait même ceux de gouverneurs, c'est-à-dire l'équivalent de préfet, pour pouvoir avoir un poids dans leur témoignage, et on sait qu'ils faisaient beaucoup de témoignages en Europe, donc on les a utilisés. Et il y a beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques qui se sont perdus en fait pendant la guerre. Faut savoir que en Orient, beaucoup de prêtres de différents rites peuvent se marier, ils peuvent percevoir un revenu. En fait, leur cœur est divisé plus que nos prêtres à nous en Europe. Moi, je vois notamment aux Français, il y a le célibat. Alors, ça entraîne aussi d'autres problématiques, le célibat, qu'on connaît bien, hein, tous les scandales qui ravagent l'Église. Mais là-bas, c'est vrai, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont une situation et ils perçoivent un revenu. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a, corruption possible, puisque même un prêtre veut le meilleur pour ses enfants et que il n'est pas rare que ils jouent de leur relation pour pouvoir assurer un poste à leurs enfants, etc. Enfin bref, c'est des choses qui existent. Il y a aussi une corruption à différents niveaux, des terrains qui sont vendus ou des terrains qui sont mis à leur nom. Il y a des choses en fait qui ne vont pas. Il est clair que la lecture spirituelle qu'on puisse faire de la persécution des chrétiens en Orient, c'est que tout simplement en fait, les chrétiens ont manqué de bergers. Que ceux qui se représentaient comme des bergers, donc les prêtres, les évêques, n'ont pas tenu leur rôle. Et c'est ce qui fait que le diable a gagné véritablement du terrain et a foudroyé, en fait, le christianisme dans cette région-là. Pas que, mais aussi. On pense que c'est permis aussi par Dieu, parce que visiblement, l'Église n'a pas forcément bien tenu son rôle. Mais à contrario, moi j'ai vu des prêtres, je ne peux pas dire qui, je ne peux pas dire quoi ni comment, parce que la pudeur et le respect m'obligent. Mais des prêtres qui n'avaient pas la réputation d'être forcément corrects, ou des évêques qui avaient cette notoriété. Il faut comprendre que les orientaux, les chrétiens d'Orient, les orientaux chrétiens qui ont qui sont évêques ou archevêques, etc. Ils ont fait face à 1400 ans d'islam. Donc ils ont une manière. Moi je dirais que les chrétiens d'Orient ne rayonnent pas, parce qu'en plus de ça, l'État qui est socialiste, laïque, ne permet pas la conversion au christianisme. Pourquoi? Parce que la rue est arabe et la rue, elle est islamique. Et donc, ils sont obligés de contenter les islamistes de leur rue, de la campagne, des villes. Ils veulent pas les fâcher, alors ils se mettent à bien contrôler les églises. Vous êtes chrétien, vous êtes là, vous avez le droit de procession, le droit d'exister, de fêter Noël, des manifestations, entre guillemets, religieuses publiques, il n'y a aucun problème. Mais on ne se convertit pas à l'islam. On ne peut pas, un musulman et une chrétienne qui s'aiment, c'est à la mosquée qu'ils se marient, c'est pas à l'église. Jamais, 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 jamais. Même au Liban, hein, on va se marier à Chypre. On contourne les règles en allant ailleurs, mais on ne se marie pas à l'église. En revanche, on peut se marier à la mosquée. Donc, même si l'État il est laïque, puisqu'il est quand même, il y a quand même des lois de la charia qui reposent dans la Constitution, en vérité, le mariage n'est reconnu que s'il est à la mosquée, quand c'est un couple mixte. Donc, ce que je veux dire, c'est que les chrétiens d'Orient ne peuvent pas faire acte de prosélytisme. Ils ne peuvent pas convertir. Et si un musulman se convertit au christianisme, il ne sera jamais reconnu par l'État. Et il aura des problèmes avec le gouvernement. Donc, il y a ce point commun entre le gouvernement et les plus religieux. Ils s'entendent sur ça. Christianisme, le chrétien veut se convertir à l'islam, mashallah, pas de problème. L'inverse, mamnoua, interdit. C'est pas possible. Vous avez évidemment cette injustice-là, elle est ancrée, elle est dans les mentalités syriennes. Et donc les chrétiens ne peuvent pas faire acte de prosélytisme, ils ne peuvent pas convertir. Donc ils ne rayonnent pas, ils brillent. Ils brillent. C'est-à-dire que tout leur effort, c'est de contenir, conserver, garder ce qui leur reste en fait, de ne pas disparaître, de donner envie à la jeunesse de rester dans le pays, de donner envie à la jeunesse de devenir prêtre, de donner envie à la jeunesse de faire briller la communauté. Alors l'Église est tout, l'Église est très centrale, l'Église régit le scoutisme, l'humanitaire, la chorale, toutes les actions bénévoles, folkloriques, culturelles sont encadrées par l'Église. Donc l'Église a un vrai poids dans la communauté. Et des évêques qui s'apparentent parfois, enfin qui ont une prestance très seigneuriale, qui se sont perdus en fait. Mais la guerre les a vraiment fait revenir dans les sentiers du Seigneur. ça les a vraiment rendus humbles. Alors il y en a, ils se sont perdus parce que ça les a davantage corrompus, ça leur a donné un pouvoir politique certain, ils se sont perdus. Alors vous les voyez, un gros cigare, lunettes de soleil, gros ventre, les 4x4 blindés, vitres teintées, garde du corps, etc. C'est, on dirait la mafia. Ça existe, hein. C'est triste, mais ça existe. Mais vous en avez vraiment d'autres qui, au contraire, se sont remplis d'humilité, ils se sont détachés de leurs biens et ils ont tout donné pour leur communauté, par décence, par pudeur, par honneur. Et certains sont devenus martyrs. Là, ils ont été enlevés, ils ont été décapités. D'autres, ils ont vu leur immeuble leur tomber dessus parce que, malheureusement, pour ces pauvres gens, la guerre n'a pas suffi à les martyriser. Il y a eu aussi le tremblement de terre il y a à peu près 2 ans, en 2022, si je me trompe plus. Enfin, si je me trompe pas. En fait, ils ont tout vécu, ces gens-là. L'asphyxie économique, donc l'embargo, les guerres à répétition, même la nature se déchaîne contre eux. C'est un vrai chemin de croix qu'ils sont en train de vivre. Et vous avez de belles conversions. Et vous avez des conversions aussi, donc de musulmans, quand même, qui vont à l'église. Et l'église... ils ont peur aussi de la réaction du gouvernement, donc ils ne peuvent pas accepter leur conversion. Mais beaucoup se sont convertis en cachette. Alors on peut dire, oui, mais se sont convertis parce que c'était dans le but d'obtenir un visa plus facilement pour aller en Europe. Bon, en tout cas, en Europe, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on donnait plus facilement des visas à des musulmans qu'à des chrétiens, premièrement. Deuxièmement, les musulmans qui sont convertis au christianisme et qui ont rejoint l'Europe, quand ils y sont parvenus, ben, ils sont restés chrétiens. Parce que c'est la même chose qui se passe aussi en Kabylie, en Algérie. On persécute ces chrétiens, ces musulmans qui se convertissent au christianisme, et les Algériens, certains Algériens, beaucoup d'Algériens quand même, les accusent de se convertir au christianisme pour pouvoir avoir un visa pour aller en France. Mmh. Ce qui est un mensonge. On sait que ce sont des convertis vraiment de manière très intime. Bon, si on revient sur la Syrie, il y a eu de belles conversions. Moi, j'ai de belles histoires de gens qui se sont convertis. Des alaouites, beaucoup d'alaouites, et aussi des sunnites. C'est beau en vrai, mais ça reste toujours très anecdotique. C'est pas des choses qui sont, ce ne sont pas des conversions de masse, parce que malheureusement la mentalité locale et la façon dont le gouvernement est fait ne peut pas le permettre, mais ça existe. Alors quel est l'avenir des chrétiens d'Orient pour terminer cette émission, surtout de Syrie? Eh bien l'avenir des chrétiens d'Orient, je pense qu'il est moi je pense que tout a commencé là-bas. Tout va se terminer là-bas. Je pense que l'avenir des chrétiens ne sera pas différent de ce qu'ils vivent déjà actuellement. Je pense que c'est leur sacerdoce. Je ne le dis pas pour les condamner, je les voue pas à un certain fatalisme. Je ne peux que les encourager à rayonner, à continuer. Alors évidemment, pour les aider, on peut déjà prier pour eux. On peut donner à des organisations caritatives pour les aider, comme chez nous, SOS Chrétien d'Orient. Mais on peut aussi dénoncer la politique israélienne, dénoncer la politique américaine, dénoncer l'Europe, dénoncer les embargos. Un embargo, ça n'a jamais contraint un gouvernement à se plier aux normes occidentales. Donc ça n'existe pas, ça. Un embargo, ça tue la population. Bachar al-Assad, il a ses 3 repas par jour, il n'y a aucun problème. En revanche, la population syrienne, aujourd'hui, elle vit des maladies qui n'existe que dans les pays où on vit la malnutrition. Avant la guerre, la Syrie était un pays qui vivait dans l'autosuffisance. L'autosuffisance à tous les niveaux et surtout alimentaire. Elle exportait des aliments, elle n'en importait pas. Et aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas aux portes de la famine, ils vivent la famine dans certains endroits. Donc, moi, l'avenir, pour moi, des chrétiens, c'est vrai, on peut penser qu'ils vont aller jusqu'à disparaître parce que ce sont... Au train où vont les choses, ils vont disparaître. Mais je suis empreint d'espérance parce que je suis chrétien. Je pense que de toute façon, le Seigneur aura le dernier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Et s'il n'y a plus un chrétien sur terre, alors ce sera le retour du Christ, en fait. Ce sera le retour du Christ. Mais je crois qu'on n'a pas encore dit notre dernier mot. Parce que, pardon, je rajoute ça, mais le Seigneur nous fait comprendre en toute situation. Nous, on n'est pas la religion de la démographie, on n'est pas la religion du nombre. Le Seigneur nous fait comprendre que les choses sont vaines humainement pour qu'on puisse mieux reconnaître qu'en cas de victoire, il n'y a qu'à lui qu'on peut associer cette victoire. Dieu ne compte pas sur la force des hommes, il compte justement sur cette situation désespérée pour manifester sa toute-puissance, pour que personne jamais ne puisse lui voler la gloire, pour que le jour où on se rappelle de cette gloire, on ne puisse pas se dire « mais c'était grâce à nous, on était puissants, on était armés, on était grands, on était forts ». Non, on n'était rien, on n'était personne, on était persécutés, on était en minorité, on était en voie d'extinction. Et on va triompher, parce que c'est le Seigneur qui va intervenir, comme il l'a toujours fait. Et c'est à lui uniquement que reviendra la gloire. Ça, j'en suis persuadé. Ben merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci pour le temps que vous donnez pour les autres, pour votre mission. Et, j'espère qu'on va encore se retrouver bientôt là pour discuter d'un autre conflit qui se passe actuellement, notamment celui d'Israël et du Liban et de Gaza. Voilà. Merci beaucoup. Drage gledalke in gledalci, imeli smo res navduhujoč pogovor z Aleksandrom Goodarzijem, ki nam je osvetlil težko, a ključno resničnost kristjanov v Siriji in na Bližnjem shodu. Kljub trpljenju in preizkušnjam ostajajo njihova vera in vztrajnost neomajne, kar nas vse spomni, da nas tudi v najtežjih trenutkih vodijo pogum, upanje in ljubezen. Za zaključek te oddaje bi rad delil svetopisemsko odlomek iz pisma Rimljanom. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne sramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Naj nas te besede opomnijo, da nas tudi sredi največjih preizkušenj upanje v Boga nikoli ne razočara, saj njegova ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je dan. Hvala, ker ste bili z nami in naj vas spremljata mir in vera. Nasvidenje do naslednjič.